Bonjour, toi. Oui, toi. Toi qui commences à te poser des questions sur l'état du monde, mais qui considères que le cinéma reste un bon échappatoire, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois de mars, que dois-tu absolument voir dans les salles? Monsieur et Madame Adelman. Parler de la vie est une belle chose, peut-être même l'une des choses les plus importantes au monde, car si l'on ne parle pas de la vie, on ne peut pas affronter celle-ci. Accepter ces instants de désarroi pour savourer ce rempli d'espoir. Accepter les échecs pour embrasser de manière plus forte les victoires, accepter de vivre plutôt que de se laisser mourir. La vie que partagent un homme et une femme est la plus belle chose que l'on puisse raconter. Et raconter cela au cœur d'une œuvre brassant 45 ans d'histoire d'amour et d'humanité, cela est quelque chose de grandiose. Et le faire avec autant de brio que celui de Nicolas Bedos, cela est rare. Un premier passage derrière la caméra troublant pour un cinéaste qui s'impose comme un auteur majeur, un auteur cherchant à apporter du sang neuf à une production audiovisuelle française en perte de vitesse. Alors qu'on dit que le cinéma français n'a rien offert de majeur à la production audiovisuelle depuis près de 30 ans, Nicolas Bedos produit ici l'une des œuvres les plus importantes de l'année 2017. Un film troublant, émouvant, drôle, divertissant, pop, novateur et surtout extrêmement frais dans une production que l'on dit réchauffée. D'une inventivité folle, d'une générosité artistique déboussolante, d'une folie de chaque instant et d'un dynamisme dingue, l'œuvre de Bedos est une grande lettre d'amour au cinéma moderne, au cinéma comme on voudrait le voir devenir et pas comme la production française pense qu'il se doit d'être. En empruntant un petit peu de tout ce qu'il aime dans le cinéma, allant du dynamisme des personnages à la Chabrol, en passant par une esthétique et un montage digne de Wright, l'auteur français prouve que le cinéma populaire francophone peut être neuf. Bedos s'impose avec ce métrage comme un cinéaste jeune, un cinéaste romanesque, un cinéaste joint avec la facette classique du cinéma français et la nouveauté fraîche du cinéma anglais, mélangeant un style et les couleurs de l'audiovisuel pour aller beaucoup plus loin que simplement dans la direction où l'on pourrait l'attendre. En surprenant ainsi le spectateur, il surprend également la production française, en imposant une esthétique et un geste de cinéma qui émeut, qui touche et qui emporte avec lui le cœur d'un spectateur surpris par l'intensité d'un tel propos de cinéma moderne. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Monsieur et Madame Adelman, car bien au-delà d'être un grand film français, c'est un grand film tout court qui dépoussière ce que l'on pourra en attendre trop facilement pour décaper un bon coup et rafraîchir le cœur des cinéphiles en froid avec notre production.